cœur qui obéit. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, c'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur. Qui entrera dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. La volonté de Dieu. Cela, c'est ce qui est la volonté de chacun de nous. Nous savons chercher. Tu sais quoi d'argent? Nous savons le faire. Tu sais quoi, Yilika? Je suis de te réveiller le matin, vous êtes là. Vous parlez. Chacun est amené à l'heure. Nous l'avons dit. Oh, il y a des poubelles là. Dans le domaine spirituel, nous devons aussi apprendre à chercher. Vous pouvez dire les choses d'en haut. Puis, cherchez les choses là-haut. Dans une relation personnelle avec Christ. Lui, il vient transformer nos attitudes. Il va changer notre cœur. Nos désirs. Il va plus se porter vers le péché. Mais Dieu va transformer le cœur. Pour que nous puissions commencer maintenant. Allez chercher les choses qui sont en haut. Allez chercher la présence de Dieu. Voyez la parole de Dieu qui s'est tous ont péché. Et ils sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Et ils en ont le même compte. Comment ils ne savent pas. Aujourd'hui, si tu perds un billet, tu marches. Tu te rends compte qu'on a acheté ton billet. Tu te voyais, ou le papa, tu es un bon, je peux pas la bise. Alors que tu es troublé. Tu es inquiété. Voilà, ça c'est naturel. Sur la terre, lorsque nous perdons ce que nous possédons, nous devons nous inquiéter. Mais l'homme ne s'inquiète pas. Du fait qu'il est privé de la présence glorieuse de Dieu. Voilà ce qui est triste. Parce que l'homme n'est pas conscient. Mais il est même privé de l'essentiel. Alors en tant qu'enfant de Dieu, puisque nous sommes répandus, puisque nous avons accepté, nous avons cru au Seigneur, Jésus est venu dans notre vie, il nous accorde la présence glorieuse, tu le clan de richesse, c'est le Dieu le plus important, avoir Dieu avec soi, et avoir l'autorité du ciel. Et tu marches avec assurance. Alléluia. Amen. Alors, la vie nouvelle doit être construite. Tu veux petit tout avec l'aide de Dieu. C'est Dieu qui va nous aider à développer notre vie nouvelle. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit être proche de nous. Nous devons être en union avec son fils. C'est lui l'auteur de la vie. Et il nous apportera une nouvelle dimension. Et nous allons grandir dans la foi. Vous voyez, c'est ça encore. La foi va augmenter. La foi, c'est une ferme assurance. C'est chose qu'on espère. Les choses qui sont en haut. Voilà. Moïse avait la foi. C'est l'unique qui avait la foi. Quand ils sont sortis de l'Égypte, le peuple d'Israël n'avait pas de foi. Il n'y avait que le naturel qui était en eux. Alors quand ils marchaient, ils ne pensaient qu'au concombre qu'ils avaient laissé. À la nourriture qu'ils avaient laissée en Égypte. Alors pour eux, ce que Dieu a prévu, ça n'avait pas de sens. Ça